Vous avez senti le stress là ? Hey, salut ! Aujourd'hui, je t'emmène avec moi visiter un tunnel assez spécial. Donc, en gros, pour t'expliquer, c'est un tunnel qui transporte un fleuve donc qui passe sous une ville et qui se jette à la mer. On va marcher dans un trou. Alors là, en fait, pour t'expliquer vite fait, je suis en train de me prendre plein de cadavres dans la tronche. Ça pue la mort. Ça pue un truc de fou. Donc on va quand même se méfier qu'il n'y ait pas de gaz. Il y a pas mal de débris organiques en décomposition, c'est-à-dire du branchage. Il y a de l'herbe pourrie, des troncs, il y a énormément de déchets. C'est des déchets qui ont été transportés par le fleuve. Alors ce fleuve, c'est un fleuve qui a un régime hydrologique pluvial. C'est-à-dire qu'il va prendre de l'ampleur lors des fortes pluies. Donc ça c'est une pluviale qui est au-dessus sur la route je pense. Oh putain ça glisse. Oh punaise. Ça c'était pas prévu. Oh putain, je vais voir jusqu'au bout pour voir. Ça ça vite fait, c'était pas sur le trajet mais bon. Ça va assez loin. C'était de la pluviale aussi. Demi-tour, c'est assez compliqué là. Ça c'est fait. Hop, allez, la cocotte. Il y a pas mal de galeries, ça sera peut-être à faire ça dans un futur. Si bien sûr je sors vivant de cette aventure. Pour l'instant. On est sur de la racine. Alors c'est fou parce que des racines qui ont traversé le béton. Au-dessus normalement c'est la route. Le truc un peu plus important. Pour l'instant RS, je suis plutôt content. Pas d'aura non plus. Oula. Je sais pas si vous avez entendu. C'est peut-être les voitures. Au-dessus de la route, donc c'est-à-dire qu'il y aurait une grille. Je sais pas combien je suis, mais je vais être à 5 mètres sous terre, 4-5 mètres. Ah ben on va voir ça avec la bouche. Je vais voir une sortie, je vais éteindre pour vous montrer. On va voir la lumière. Ouais. Alors, ah bah tenez, ouais. Je vais essayer de sauter si j'y arrive. Oh voilà. Donc là, c'est une grille de pluviale. Par contre, il n'y a pas d'échelle. J'avais calculé les échelles, mais je me disais qu'en cas de pépin, si jamais j'ai une sortie de secours par une des grilles, bah, je monte à l'échelle et j'essaie de pousser avec mon dos la grille. Mais là, je veux pas d'échelle, c'est un peu mort là. Quelqu'un ou quoi, c'est une lampe ça. C'est une lampe. Attendez, vous voyez dans le fond. C'est un pute d'énerve, ça c'est une lampe. J'espère que c'est pas une lampe, j'espère qu'il y a quelqu'un. Mon père s'est battu là. Attention, il est monté avant là. Non, c'est un pute d'énerve, j'ai eu peur. Donc là, on a pu sortir vers l'extérieur, on va sauter encore. Je vais finir par me casser la gueule. Je crois que j'ai fait tomber un truc en plus. C'est une grille, je sais pas si vous la voyez. Donc en haut c'est le soleil. Donc là je suis sous un trottoir et je suis peut-être arrivé. Il me semble entendre le bruit de la mer. On est peut-être arrivé les amis. Ah cette lumière, oh punaise, oui cette lumière m'a vraiment flippé.
Je pensais que c'était une entorse qui est un mec couché. C'est fou ça. Oh putain. Donc c'est sur la route. D'accord, c'est une fugueuse sur la route ça. Puisque quand vous avez vu que ça s'est coupé parce qu'une voiture est passée. Alors toi qui es de l'autre côté de l'écran sur ta chaise, je te garantis que tu as bien la chance. Hop 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 hop. Ça va être chaud patate là les amis. Comme je disais, tu as vraiment la chance. Ouais, ça a l'air vachement glissant là. Il faut que je fasse gaffe. En plus, on n'est pas dans la voiture d'eau. Ça se fait de tous les côtés là, putain. On va faire vite, hein. Hop là, c'est bon. Non, oui, ça fait que la douche, ça fait du mur. C'est que ça. Alors ça me plaît pas trop. C'est une bifurcation. Oh, oh, la fin. La sortie, les amis. Au fond, là, c'est plus de lumière, c'est la sortie. Par contre, là, c'est quoi? Une petite bifurcation sur le côté. Alors, ça, je sais pas du tout où ça va. J'ai l'impression que ça va. Non, c'est pas ce que je pense quand même. Mais ça servira à quoi? Ah, c'est peut-être en cas de débordement, un trop plein. Si jamais l'eau, le niveau monte trop, ça passe par là. Et ça va curer vers où alors? Parce que là, ça sortirait côté mer. Donc au bout, c'est la mer. Mais là, ça irait où? Et si jamais je prenais cette branche pour où ça allait? Mais j'ai l'impression que ça passe sous la mer, c'est pas possible. Je viens de me démonter et j'ai pété la caméra. Non, c'est bon. Ah bah si, c'est une smartphone qui vient de tomber. Alors ça, c'est mon retour image. Alors, deux petites secondes, les amis. Hein. On va remettre ça. On va remettre ça sur pied. Ça va, j'ai pas trop mal. Non, il y a une autre sortie. Il y aurait deux sorties. Alors attendez, ça m'intrigue. Ça m'a pris. Une sortie, je sais où elle donne, je la connais. Celle-ci, elle a l'air d'aller plus loin, je la connais pas. Et je vois qu'il y a un jour très limité. Donc ça m'intéresse grandement, les amis. Bougé par une bestiole, je sais pas ce que c'est. Une odeur de merde ici, c'est impressionnant. Il y a rien touché ici, les gars. Encore une bifurcation, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est aberrant. Je comprends plus, mais là aussi. Non, là c'est le chemin que j'ai pris tout à l'heure, mais il y a encore un passage là-bas. C'est quoi ce truc de fou? Putain, j'ai encore eu peur là avec ces puits de lumière. Putain, à chaque fois j'ai l'impression que c'est une lampe avec un gars. Mais ça va où ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a combien de fleuves là qui jettent ou combien de cours d'eau là? Oh putain! Oh. Alors ça, je... Putain, mais ça va où? Alors attendez, parce que moi là-bas, je viens de là-bas. J'ai pris celui-ci. Et là, il y a celui-là. Oh! Oh le pauvre! Oh punaise, non! Alors ça, regardez les amis, c'est un bébé. Oh putain, un bébé hérisson, mais sérieux! Qu'est-ce qu'il fout là? Pauvre petite bête, lui il a dû être emporté, je pense. Putain, faut le faire trouver un hérisson ici, quoi. Mais sérieux, je sais pas combien de 200 millions naturels, c'est vraiment une mort de merde. Attends, je vais prendre le repère sur de ne pas me perdre. Tac, droite et droite.
Je me mets des marquages pour moi, les amis. Hein. Là, normalement. Non, je vais passer sous la mer alors. Oh putain. Il y a encore les voitures, c'est bon. Avant que ça jette tout le monde en rond, mais. Ouais, faut pas que je tombe pour de lampe. J'ai pas calculé ça. On dirait un cul-de-sac là-bas. Ça servira à quoi alors? Non, ça doit descendre. C'est peut-être un tunnel annexe pour désengorger, pour limiter le débit de sortie. Pour pas qu'il y ait cru côté plage. Là ça se stoppe net. Il y a une galerie là qui nous reprend celle que j'ai quittée. Ce ne sont pas les égouts, puisque comme je disais tout à l'heure, les égouts passent par une centrale de traitement. Ça glisse! Oh, j'ai foutu le pied dans la flotte! Bon, je pense que les godasses vont partir à la poubelle là. Direct, hein. Vous n'avez pas l'odeur, les amis, hein, mais moi je l'ai l'odeur. Oh, punaise! Cette odeur de merde! Droite et droite. Quelle lumière. C'est bon, vous l'avez senti les amis? Vous l'avez senti le stress là? J'essaie de pas le montrer, le hérisson. Ok, je suis mis là-bas. Ah, rien. Donc là, je suis pas là, normalement la mer est là-bas. C'est bon, c'est bon. Donc là je viens d'avoir, hein. Je me suis mis à courir. Puisqu'en deux secondes, pareil, j'ai mon panique. Là, ça manque un petit peu d'air là-dessous. Je m'en suis rendu compte d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait paniquer. Et j'ai l'impression de ne pas reconnaître le chemin. Donc en gros, je me suis littéralement chié dessus. Bon, ça sent pas encore le caca, mais comme on dit, le cigare est au bord des lèvres. Bon là, ça me rassure. Vous voyez là-bas les amis, c'est la sortie. Par contre, je vais me griller, ça me fait peur. Je vais couper ma torche puissante. Là quand même, je vais sentir sur la plage. Les gens vont se demander ce que je branle ici. J'ai pas envie qu'on appelle la police ou quoi que ce soit. Là, je vais décrire. Je suis en grillage, ça me fait peur. Je les aime bien, en même temps, je suis en train de ranger mon petit matos. Et ils vont voir un mec débarquer sur la plage rempli de boue, qui a un sac à dos, un pantalon sur la tête, ça va pas le faire. On demande d'où je reviens. Salut les amis, ça c'est check. Ça fait un petit moment que j'ai envie de le faire. C'est pas un truc de fou à proprement parler en regardant juste la vidéo. Bon, moi pour moi, par contre, c'est un truc de fou puisque c'est un projet qui me tient à cœur. Je voulais vraiment voir ce qui se passait en dessous. Comme vous avez pu voir, pas grand chose. Par contre, il y a des bifurcations, des sorties un peu partout. Bon, c'est la plupart, pour la plupart des pluviales, bon, des petites bouches comme ça. Mais voilà, c'est check, c'est fait. Eh bien, cette vidéo touche à sa fin.
Alors j'espère qu'elle t'a plu. Bon, moi je l'ai kiffé. Je suis un peu soufflé. Je suis un petit peu à court d'air. J'ai hâte de sortir. Mais voilà, sur ce, je te dis à la prochaine. Allez, à très bientôt. Tchuss.